Salut amis de YouTube, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui avec Bassim, je suis sur les traces du seigneur Wassif. Alors c'est un seigneur très protégé, il va falloir être vigilant, je pense que cela ne va pas être très facile. Je vous laisse regarder cela, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si cela vous a plu. Allez, à tout à l'heure en fin de vidéo. Allez, tu es prêt ? Et qui es-tu pour me dire ce que je peux et ne peux pas faire ? L'enjeu dépasse de loin ton orgueil, Wassif. Le chemin est étroit. Assez ! Prends garde à ce que tu diras lors de notre prochaine rencontre, gouverneur. Je ne souffrirai pas d'être insulté deux fois. Ce sont Wassif et le gouverneur de Bagdad, Mohammed ibn Abdallah ibn Tahir. Il a donné à Wassif un ordre, ce qui n'a pas plu à ce dernier. Le gouverneur de Bagdad n'est pas plus haut placé que Wassif. À moins, peut-être, qu'il ne fasse lui aussi partie de l'ordre. Mohammed ? Je n'y crois pas. Il n'est pas seulement gouverneur, c'est aussi un poète, un lettré, un homme d'esprit. J'espérais m'en faire un allié. Eh bien, espérons que tu as raison. Il y a déjà affaire avec Wassif. Reste à trouver le moyen d'entrer dans la garnison. L'un des régisseurs sur place m'est loyal. Tu le trouveras près des cuisines. Lorsqu'il apercevra la ceinture rouge, il t'aidera. Et toi, que vas-tu faire ? Retrouver Béchi et libérer les autres rebelles retenus dans la prison. Je te laisse, Wassif. Soldat, tu te drapes dans les couleurs du calife pour enlever et tuer à loisir. Tu es le fléau de tout le pays. Et ces terres sont rouges du sang de ceux que tu as massacrés. Simplement parce qu'ils voulaient la liberté. Ou que tu craignais qu'ils la désirent. Tu te crois fermement à l'abri. Entouré de tous tes soldats. Mais nous allons attaquer la garnison. Libérer Béchi. Et mettre fin à ton règne de terreur. Difficile d'escalader de tels murs. Je devrais plutôt dénicher un autre passage. Les murs de la garnison sont plus troués que des haillons. Tu as vu tous les trous dans les murailles de la garnison ? À quoi bon avoir des murs si l'on voit à travers ? Quoi ? Tu veux parler des travaux ? Il y a des gardes partout. De toute façon, personne ne peut entrer ou sortir sans se faire attraper. Il y a peut-être un passage le long de la muraille nord. Je devrais aller voir. Reste en chemin. Seul entre ici les gens en mission officielle. Ha ha ha!
Kalé ne se soit pas encore détaché de sa chaîne. Et le capitaine va me tuer. Ah oui, cette maudite clé. ليسر للبحر. سمعت بالقوم العمالقة ذوي الشعر الأصهب والأشقر الذين يتاجرون بالعبيد؟ لم أرهم بنفسي. لكن يبدو أنهم محاربون مخيفون من الشمال. لابد أنهم من الأمن في بعد المغرب. أي، comment tenir les rats éloignés des cuisines alors qu'il n'y a pas un, mais deux trous dans le mur? Celle que j'ai à la cuisse, je la dois à Talal. J'étais tout serré dans une embuscade. Je suis pas dans l'Ouzgar. Qu'est devenu ton flair? Non! Dis-tu quoi, ça? Où es-tu, ma petite gazelle? D'abord, tu as de la chance. Voilà par où je pourrais essayer d'entrer. Ali a parlé d'un régisseur qui lui était loyal. Je devrais pouvoir le trouver du côté des cuisines. Montre-moi ça. Un accueil peu chaleureux. Paris qu'il a laissé la clé dans cette salle en désordre. Qui dit clé, dit serrure. Je dois trouver une porte. Quelque chose? Rien de rien.
Toi, tu es l'homme d'Ali? J'ai vu ton étoffe rouge. Nous devons faire vite. Wasif est dans la garnison intérieure. Je peux te faire entrer par le côté, mais on ne doit pas nous voir ensemble. Suis-moi à bonne distance et reste hors de vue. Oui, j'ai compris. Dis-moi quand tu seras prêt. Bon, on peut y aller. Je vais marcher au vu de tous pour éviter les soupçons. Toi, suis-moi à distance et reste caché. Essaie de rester dans l'ombre, surtout. Tu as entendu ces hurlements? On aurait dit des fantômes. Il paraît que la prison est hantée. Ce qui s'y passe est de nature, disons, maléfique. On dit que c'est pareil à la porte de Damas. Mieux vaut ne pas savoir. J'espère qu'ils vont bientôt réparer les murs. Moi aussi. Déjà, les patrouilles seront plus courtes. Le seigneur Wasif est de retour. Alors soyez vigilants en patrouille. Faites toute la ronde jusqu'aux travaux. Et si j'en surprends à tricher, ça leur coûtera une semaine de solde et un mois de corvée de latrine. Calme, l'ami, n'est-ce pas? Je ne suis pas ton ami. Je vais plutôt t'occuper de tes affaires. Jusqu'ici, tout va bien. Il a fait la moitié. Pense bien à rester caché. En cas d'échec, je ne pourrai pas t'aider et tu devras te débrouiller seul. Voici la caserne. Les quartiers de Wasif sont probablement à l'intérieur, un peu plus loin. Hein ? C'est curieux. Il ne m'échappera pas longtemps. C'est toujours bon de garder... Personne n'osera s'attaquer à nous. Inutile de te cacher, ton heure est venue. Tu es déjà mort, alors finissons.
Voilà, ne bouge plus. Quelque chose ne va pas. Mais quoi? Il n'y aurait qu'un idiot pour oser nous attaquer. Et qu'est-ce qui vient d'arriver? J'aimerais bien qu'on me dise ce qui se passe. Si quelqu'un vient nous chercher des coups. Ce bandit peut venir. On est toujours prêts. Peu importe. Ils reviendront. Hé, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais il faudrait être idiot pour s'attaquer à toi. Quand je te trouverai, tu saigneras. Et pas très. Il paraît que le seigneur a failli brandir son épée devant le gouverneur. Ils se sont disputés et il est sorti furieux de la salle. Va être affecté à son service ce soir. Ah, quoi? Ah, qu'est-ce que c'était? Quelqu'un s'amuse avec toi. Il faudrait être idiot pour s'attaquer à nous. Au moins, ça a fait du changement. Ouais, je suis sûr que c'était un djinn avec de gros sacs d'or. Je retomberai sur toi. Ce n'est pas comme si quelqu'un risquait de lui tomber dessus. Que le Seigneur leur a préparé, les rebelles vont se faire.
partie remise. Cette porte mènera à... Bon, je dois repartir. Ça venait d'ici, hein? Je vais t'écraser, insecte! Mais qu'est-ce que... Quartier de Wassif. Étonnamment sobre pour quelqu'un de son rang. C'est un hôtel très soigné. Ma foi, Wassif devait adorer sa mère. Le dos droit, le regard sur l'horizon. Le Seigneur arrive et ne tolérera aucun manquement. C'est mieux. Le poids est bon. L'équilibre aussi. Mais la poignée est un peu serrée. Voyons maintenant ce que donne le tranchant. Celui qui prend les armes contre nous n'est pas des nôtres. Tu as choisi le mauvais camp, mon ami. Le jugement appartient à Allah, pas à toi. Cela accroche toujours un peu. Allez approfondir les rainures pour le sang. Il est temps d'abattre ce chien. Il faut libérer les autres. Ensuite, tu pourras faire sortir tes hommes. Moi, je m'occuperai de Wassif. Sortir ? Ne dis pas de bêtises. Ça ne fait que commencer. Nous allons réduire cet endroit en cendres.
gardien-chef qui a la clé de nos cellules. Méfie-toi, il est plus dangereux qu'il en a l'air. Que voient tes yeux? Non, ne vole pas de ce côté, Enkidu. Les hommes sont libres. Je dois à présent trouver Wasif. Il y a un fanal au-dessus d'ici. Une fois allumé, il donnera l'alerte à toute la garnison. Les gardes viendront à nous. Et je trouverai le moyen d'entrer dans ces quartiers lorsqu'il sera seul. Très bien. Je vais allumer le fanal. Tâche de ne pas oublier notre accord. Je m'en souviens très bien. Examine les lieux. Le risque est trop grand, mon ami. Pardonne-moi. Le ciel est à nouveau clair.
Qu'est-ce qu'on va faire? Nous sommes encerclés! Silence! Apporte ça en bas, vite! Ali le Zindik et ses rebelles ont attaqué la garnison. Demande des renforts! Ferme la lettre! Quand la porte sera brisée, trouve le moyen de la porter au calife. Sur ta vie, jure-le! Oui, Zayedi! Toi, si lent et balourd. Je t'achèverai très lentement, de mes mains. Il te faudra être plus rapide pour cela. Je vais t'avoir. Quelqu'un vient nous chercher des Ton ami a joué. Dieu, quand je l'ai embroché. Et toi, à quoi ressembleront? Symbole de liberté. Un mot que tu n'as pas souvent employé. Et que tu ne prononceras jamais plus. Oh. Alors c'est donc ça, la liberté. Pourtant, je ne vois aucune issue. Il va falloir se battre pour sortir. Notre révolution commence ici, avec moi. Ça ne me dit rien de bon. Allez, répondez. Pourquoi se bat-il? Allons-nous-en d'ici. Suivez mes pas. Sur moi. C'est ce que tu appelles la liberté? Sortir d'une garnison, les armes à la main? Pourquoi? Un combat loyal te ferait-il peur? Une garnison, les armes à la main? Pourquoi? Un combat loyal te ferait-il peur? Non. Je préfère juste un loyal assassinat. J'espère que tu as mieux formé tes hommes que Wasif n'a entraîné les siens. Ouvre un peu les yeux. Le combat est déjà presque terminé.
Une minute. On a réussi. Mais de justesse. Loin de là. C'était inéluctable. Attends. Tout réussir a été pour nous. On va comme un scorpion. Proche de notre but, que tu veux bien l'admettre. Je suis là. On a réussi. Mais de justesse. Loin de là. C'était inéluctable. D'autres gardes. Qu'est-ce que... Damnation. C'est ça, mais des chiens. Qu'est-ce que c'est? Oui. Tu combats comme un scorpion. Peut-être que tu es plus proche de notre cause que tu veux bien admettre. C'est bien. Mais plus à toi. Je vais t'avoir. Ce sont les derniers. Alors repartons par où nous sommes arrivés. Oh non, mon ami. Nous allons sortir par la grande porte. Continuez. Nous y sommes presque. La victoire est à nous. Avec toi, Saïba Zunch. C'est un bon jour. Je te retrouverai au bureau. Notre combat commence. Ce sera la liberté ou la mort. Dieu est grand. Il est notre Dieu que Dieu. Dieu est grand. Il est notre Dieu que Dieu. Dieu est grand. Il n'est autre Dieu que Dieu. Il faut que j'aille retrouver Fulad au bureau. لابد أن هذا جنود. Quand on parle du chat, on en voit la queue. Et le voici parmi nous. Pas de gestes brusques, ami des félins. Si tu ne veux pas que ce chat vienne t'étriper. Tu as tenu parole. Wasif est mort. Et tous ceux qui l'apprennent, l'apprennent de ma bouche. Dommage que nous n'ayons pas pu sauver Béchi. Son courage me plaisait. On compte déjà son histoire dans tout Bagdad. Mort, il libérera plus de gens qu'il ne l'a fait de son vivant. La liberté a un prix. La question est de savoir si on est prêt à le payer. Béchi l'a accompli avec fierté. J'ai beaucoup à faire. J'aimerais vous souhaiter à tous deux la paix, mais je sais qu'elle est absente de votre avenir, et du mien. Je crains qu'Aline ait raison.
Plus rien n'arrêtera sa révolte à présent. Peut-être est-ce mieux ainsi, oui. Ce qu'il propose est... À la garnison, nous avons vu Wasif se disputer avec le gouverneur, Mohammed ibn Tahir. Mohammed, c'est étrange. Je vais garder un œil sur lui. Araka lahikan. Du calme, Basim. Je suis là. Basim, Tamahal. Je ne peux plus les faire attendre. Le savent-ils seulement, tes compagnons, que leur chasseur devient une proie dans son sommeil ? Si encore j'arrivais à le contenir dans mes cauchemars. Mais il m'a suivi quand j'ai quitté Anbar. Et maintenant, il est là quand je tue ceux que je traque. Ceux du palais, avec les masques. 4 sont morts de mes mains. Le dernier, la tête du serpent, va bientôt les rejoindre. Pourquoi lui trancher la gorge ? Au lieu de lui délier la langue. Quoi ? Mais pourquoi je... Le djinn ne venait que dans ton sommeil. Ce n'est qu'après avoir mis la main dans ce coffre qu'il t'a harcelé le jour. Les porteurs de masques tenaient à son contenu. Cet objet ancien qui s'est éveillé à ton contact. Ils ont peut-être plus de réponses vivants que morts. Je chasse mes ennemis. Je ne prends pas le thé avec eux. J'ai prêté serment, Nihal. Comment peut-on être chasseur lorsqu'on est soi-même chassé ? Si tu arpentais les ombres, l'esprit libre... Tu servirais mieux la lumière. Ma lame épargne la chair de l'innocent, pas celle des membres de l'Ordre des Anciens. Si tu ne souhaites pas questionner tes ennemis, demande à tes amis ce que contenait le coffre. Et pourquoi ils voulaient l'avoir. Mes compagnons m'attendent au bureau de Harbiya. Éclaircis ton esprit, Basim. Concentre-toi sur la tâche qui t'attend. Voilà qui conclut la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusque-là. Malgré les quelques... problème technique d'enregistrement en milieu de celle-ci. N'oubliez pas le petit follow, le petit commentaire si vous le souhaitez. Et moi je vous dis à plus.